Nissim Katumbi, le remarié, a été conduit devant l'hôtel par Madame Karen Katumbi le vendredi 18 août 2017 pour y sceller devant Dieu son union avec Coralie, qui toute émue et de blanc vêtue, l'y rejoignit au bras de son père. La bénédiction nuptiale a eu lieu aux États-Unis d'Amérique en présence des parents, des membres de deux familles, ainsi que de très nombreux amis venus des quatre coins du globe. Scellés, les convives se sont retrouvés au nord de la Virginie dans la très prestigieuse salle Bellevue à Chantilly, cadre féerique où la jet-set américaine a l'habitude d'organiser ses fêtes de noces. Barack Obama lui-même y ayant organisé la soirée de mariage d'un membre de son cabinet avec ses deux filles comme demoiselles d'honneur. Petit historique sur le cadre. Après la remarquable entrée des filles et des garçons d'honneur, une des perles de la soirée a été l'entrée des mariés et l'ouverture du bal confectionnée avec le plus grand art, comme une séquence des contes de mille et une nuits. Jesus.
les parents démariés rejoindront à leur tour leurs enfants sur la piste pour partager le bonheur de ce moment saisissant qui voit Nissim et Coralie devenir une seule chair. Une ambiance qui contaminera tout le reste de l'assistance. Et c'est après une soirée exceptionnelle que les mariés prendront congé de leur hôte pour enfin commencer d'écrire la première page de leur vie commune. En parents responsables, c'est pour la deuxième fois en l'espace de moins de 2 ans que les chairman Moïse Katumbi marient ses fils officiellement.